Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve sur Roblox. Et oui, aujourd'hui les amis, la petite particularité c'est qu'on va jouer en noir et blanc à plusieurs jeux Roblox. Si vous voulez tester vous aussi de jouer à Roblox en noir et blanc, je vous montrerai à la fin comment on fait. Donc j'ai sélectionné plusieurs jeux, des jeux où ce sera plus facile que d'autres de jouer en noir et blanc. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Je me suis dit qu'en tout premier on pourrait aller sur Brookhaven pour voir un peu à quoi ça ressemble en noir et blanc. Et c'est vraiment oh, super creepy, en plus avec cette pluie on dirait que la vie est triste en fait. C'est vraiment super bizarre. Je vais aller m'installer une petite maison et on va visiter. Oh là là, qu'est-ce que c'est sombre! Je ne vois même plus mon personnage. D'ailleurs, je me suis fait un nouveau skin. J'étais pas censée avoir cette tête là. Ah oui, c'est un petit peu mieux. Je sais pas comment vous le trouvez, moi je le trouve très choupinou. Je viens juste de m'acheter le pass pour avoir les grosses maisons, mais il y a quelqu'un qui est installé là. Ça va pas du tout. Moi je voulais m'installer ici en fait. On va prendre une voiture. Oh là là, ça me fait vraiment bizarre. Je sais même pas de quelle couleur est ma voiture. Grimpe, grimpe s'il te plaît. Hop, ouais, je vais conduire n'importe comment. Voilà, ça commence déjà si mal. Bon, quand la pluie s'arrête déjà, ça va un peu mieux. Et le beau temps arrive. Ah oui, là c'est mieux. Là on voit quand même mieux les choses. Hein. Mais c'est vraiment super particulier de jouer à Brookhaven en noir et blanc. C'est même choquant, je trouve. Bon, vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête. Je vais m'installer avec une maison tout à fait normale. Et puis, on va la visiter en mode noir et blanc. Je vais prendre elle. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Du coup, j'arrive vraiment pas à visualiser les maisons. Et pourquoi il me tire dessus, lui? Mais il est fou. Il est fou, ce mec. Mais tu vas te calmer un peu, Jamie. Hein. Ok, c'est parti. Je vous jure, j'ai l'impression que tout est triste. Tout est triste. Regardez cette maison. Oh là 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 là, ça me fait de la peine. Ça me fatigue même. Je vais vous montrer à peu près. Regardez avec le nuancier. On distingue aucune couleur. Là je pense que ça doit être des couleurs j'allais dire bleues, mais je suis même pas sûre. Je dis peut-être des bêtises hein. Le jeu suivant ça va être Murder Mystery. On complique déjà un petit peu plus parce que les couleurs bon elles sont pas hyper importantes non plus, mais c'est quand même bien d'avoir des couleurs sur ce jeu. Regardez-moi cette map en noir et blanc, c'est super bizarre. Ok, on est prêt, on est chaud et je suis shérif. Aïe aïe aïe, j'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais pas me faire tuer hein. Je veux vraiment gérer cette partie. Voilà, tu m'as fait peur toi. Les gens ils parlent mais arrêtez de parler, jouez. Pour l'instant, il se passe rien. Moi, je crois que c'est elle. On est à 1 minute 40, il n'y a toujours eu aucun meurtre. Il y a un moment, faut se réveiller. Hein. Mais il faut pas que ce soit moi. Hein. Les gars, j'ai jamais fait une partie aussi nulle de toute ma vie. Enfin, il y a aucun meurtre. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Oh, ça y est, j'ai trouvé la personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais meurs, en fait. Voilà. C'était n'importe quoi. Au moins, j'ai gagné cette manche. Très bizarrement, hein, du coup. Mais vas-y, on va en faire quand même une deuxième. Ok, cette fois-ci, je suis innocent. On fait attention à nos petits petons. Ah, j'ai entendu un meurtre. Je veux pas être là. Je veux pas être là en fait. C'est lui, le monsieur avec la queue de diable. C'est lui le monstre, le meurtrier, je veux dire. Oh, mais leurs parties, comment elles sont nulles, elles sont lentes. Oh là 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 là. Mais jouez un peu, je sais pas. Mais tue-moi même. Viens me tuer, hein, parce que là. Ah voilà, merci. Bon bah il m'a tué. Oh, qu'est-ce qu'on s'y attendait? Moi je dis jeu suivant. Bon écoutez les gars, pour ce jeu, on va pleurer. Ça s'appelle un color block. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros faut se mettre sur la bonne couleur qui va s'afficher. Sauf que là, la petite particularité c'est qu'on ne voit pas les couleurs. Ok, c'est parti. Oh là là, mais ça c'est déjà super chaud. Je pense que jaune c'est ça. Au pire je vais suivre aussi les gens. Rouge clair, rouge clair. C'est quoi qui est rouge clair? Ça? Oh là, je sens que je suis pas sur la bonne. Non, clairement, j'y étais pas. Mais en même temps, c'est super dur. Ok, seconde partie. Là, on peut pas sauter, là. Vert citron. Vous allez où, les gens? Que je vous suive un peu. Ici? Tu dis ici, toi. Ouais, bien joué, bien joué. Ensuite, marron, marron. C'est ça, marron, non? Oula, attendez, je vais suivre les gens. Hein. Ensuite, orange. Ça, c'est orange, non? Non, non. Ah, vous êtes où? Vous êtes là. Oh mon dieu, la tricheuse. Ensuite, vert, vert. Toi, tu vas vers le vert, je te sens bien. Il est où le vert? Il est là. Ah non, 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 j'étais... Oh bah mince, j'étais dessus en plus. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais on va aller se faire un petit d'ors avec bah, plusieurs personnes si vous voulez. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hop là, avec une deuxième personne, ça peut être sympa. Normalement, avec le son, ça peut bien se passer. Comme pas du tout bien se passer en fait. Hein. Ça fait une éternité que je n'y ai pas joué. C'est un truc de fou. Hein. Bon, tranquille du départ. C'est très bizarre de jouer à d'ors en noir et blanc. Déjà que c'est un jeu de base assez sombre, bah là, on va plus rien voir, mes pauvres. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien, on est porte 6, normalement à ce niveau là ça va. Là regardez, on commence à ne plus rien voir en noir et blanc, c'est horrible. Est-ce que l'autre personne est toujours là? Trop bizarre, je crois que je l'ai perdu hein. Ok, porte 12, et là à partir de là les gars, je ne vois plus rien. Tu es où? Non mais il faut que t'ailles ouvrir là. Fais quelque chose, Micheline. Non mais Micheline, je ne vois rien moi. Oh là 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 là. Ah c'est bon, j'ai trouvé le levier. Par contre les gars, on a perdu Micheline hein.
Qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es terrifiante en fait. Elle me fait super peur. En fait, c'est elle le monstre du jeu. Hein. Bon, on va la laisser dans son coin, hein, la Micheline. Hein. Oh non, mais j'en ai mis deux au même endroit. Mais comment j'ai fait ça? Mais comment j'ai fait ça? Mais. Ah! Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire des choses comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me cache pas? À l'aide! Oh mon dieu! Je me suis cachée au dernier moment. Je suis un peu tarée. Et une pièce dans le noir. Parce qu'on voit trop bien. On était à la porte 21, je crois. Donc là, on va à la 22. Attention, Rush arrive. Et on se cache. Et ouais, Rush, tu crois quoi? Même pas peur! Même pas peur! Vous croyez quoi? Là, j'ai plus le temps. Je trace, en fait. Ok, porte 36. Oh là là, dans la pénombre, je ne vois vraiment rien. Ah, il faut une clé. Mais on voit rien. Vite, 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 faut vraiment que je la trouve avant que mon briquet s'éteigne. Ah là 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 là, vite, 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 vite. Non, là, c'est pas possible en fait. Ouais, les gars, je suis paumée, je vais quitter Doors, dommage. Mais en noir et blanc, c'est pas faisable. On va aller faire une partie de Fashion Famous. Alors, ça va être vraiment un délire parce que je vais pas voir la couleur des vêtements. Je vous montrerai, vous, à l'écran, comment ça rend. Moi, je ne le saurai pas, je verrai seulement au montage et peut-être que je me foutrai de moi-même. Je pense. Ok, la catégorie c'est cute. Je pense que c'est faisable sans voir les couleurs. Ok, c'est parti. Alors, cute, cute, cute. Qu'est-ce qu'on veut dans du cute? Je ne vois déjà pas les couleurs, mais ça me paraît cute, non? Je sais même plus comment on joue. Pour les cheveux, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vois pas les couleurs, donc voilà. Mais je pense que ça peut le faire. C'est vraiment très mignon. Au niveau du visage, un petit visage mignon tout plein. Celui-là. Mais on voit pas parce que, bah moi j'ai mon visage qui est par-dessus. Et oui, c'est pas pratique, Jamy, d'avoir un visage par-dessus. Bon bah on verra pas mon visage, c'est pas grave. Ça c'est grave mignon. J'aurais pu trop faire un truc avec ça, mais je pense que j'ai plus le temps. Ça n'a pas de sens de porter ça, on est d'accord? Non, je suis bien d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. En vrai, je sais pas quoi porter. J'aimerais bien avoir un petit... Oh, ça c'est chou, non? Ça le fait ou pas? Non, pas trop, hein. Il me faudrait un petit sac à dos mignon, tu vois. Là, il y a l'ananas. Est-ce que l'ananas... Ah, c'est mignon, l'ananas. Allez, pourquoi pas. Il faudrait des petits bois. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. Je sens que c'est pas du tout la même couleur, mais c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on va prendre de mignon? Ça, c'est mignon, non? Le petit ballon, comme ça. Bah, écoutez, je vais rester comme ça, parce que je pense que de toute façon, je ferais pas mieux. Ça peut être mignon, non? Mais non, le ballon, je vais l'enlever. J'aime pas trop, finalement. Mais même moi, pour noter les gens, ça va être hyper compliqué, parce que je verrai pas. Alors, ce premier look, bah, je le trouve grave kiki, hein. Franchement, c'est trop mimes, hein. Bah, ça, vous voyez, au choix des vêtements, je sais pas si les couleurs sont assorties, mais j'aime pas. C'est quoi ça? Mais madame, vous êtes un koala bizarre. Ah non, moi ça me terrifie, c'est pas chou, ça me terrifie moi. Et ça c'est moi, voilà, le look un peu approximatif, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en vrai c'est mignon, non? Les roulements de tambour, est-ce que je vais finir dans le top? Eh ben non, je ne suis pas dans le top. Mais vous voyez le look que j'ai fait. Et peut-être que vous pensez que c'est très moche et que c'est bien que je sois pas dans le top. En vrai, je suis sixième, il y a pire. Attendez, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Impossible de toucher une couleur. Déjà, je ne connais pas, mais là, c'est pour nous, en fait. C'est pour nous, parce qu'on ne voit rien. Donc, il faut clairement qu'on fasse ça. Ok, là, faut qu'on touche du marron, j'imagine. Bah, du coup, je vais suivre les gens, hein, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? Je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Les gars, le problème, c'est que vraiment, je ne comprends rien. Déjà, j'ai pas les mêmes couleurs que les gens, en fait. Je ne vois rien, donc je ne comprends rien. Mais ça doit être un jeu qui doit être cool quand tu le fais, du coup, réellement, avec les couleurs, hein. On va terminer avec le jeu Colorer ou Mourir. Oui, je sais, je suis vraiment très suicidaire parce que ce jeu, bah, c'est exactement comme le Block Party. Et on verra si je vais pouvoir y arriver ou pas. Ok, c'est parti. Il me faut du bleu. Ça doit être du bleu. Oui! Waouh! Je sais pas comment j'ai fait pour trouver, mais j'ai trouvé. Marron. Marron. Ça doit être du marron, non? Ah mince, je suis tombée! Mais pourquoi je repars d'ici? C'est hyper bizarre ce qui se passe. Ah, mais oui, d'accord, j'ai plein de vie, d'accord. Ah, mais non, mais là, ça va pas aller du coup, messieurs, dames, parce que vous savez pas, mais moi, je ne vois pas les couleurs. Du cyan. Ça, c'est du cyan, non? Oula, attendez. Non, pas du tout. Je suis en train de gâcher des vies pour rien quand même. Hein. Ok, prochaine partie. Oui, je recommence quand même. Je tiens à gagner. Orange, ça c'est du orange. Ça, je le vois. Je vais rester là du coup. Eh ben non, c'était pas du tout du orange. Du gris, mais je vois tout en gris en fait, Michel. Il est là le problème. Bon, on va s'arrêter là. Je vais arrêter de me torturer, hein. Parce que je ne peux jouer à rien. Quand t'es en noir et blanc, tu peux rien faire, en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce concept, vous l'avez trouvé original. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.
Donc, pour jouer en noir et blanc, il faut mettre votre ordinateur en noir et blanc. Et donc, pour ce faire, vous devez aller dans les paramètres et mettre couleur. Vous mettez ajuster les filtres de couleur et vous avez juste à les activer. Donc, moi, ils étaient déjà activés vu que je viens juste de faire la vidéo. Mais voilà, vous avez juste à les activer et choisir nuance de gris. Après, vous pouvez tester tout ce qui existe.